Salut à tous, hein, je m'appelle Laurent Jamet, j'ai 28 ans, je suis réalisateur, notamment dans le milieu de la montagne et tout, et voilà, j'habite à Paris. Bah, moi je connais H2 Charity parce que j'ai toujours été le réalisateur des films de tous les événements H2 Charity. Et voilà, j'ai toujours fait du sport, du trail, et cette année j'ai été sélectionné par le biais d'autres courses pour l'UTMB. Et en voyant ce que Antoine, ce que Victor ont fait l'année dernière avec l'Ultra Ironman, ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose dans le cadre de l'UTMB, et donc de courir pour une association caritative, une association solidaire. Donc l'association que je défends, c'est Plan, c'est une ONG française et qui travaille particulièrement avec les enfants, notamment aux Philippines où il y a eu le typhon ces derniers temps, avec beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans la rue et tout. Donc ils travaillent sur l'écoute des enfants, reconstruire les écoles et prendre en charge tous ces enfants qui sont dans la rue, quoi. Je veux pouvoir me dire qu'il faut que je continue à courir, ne pas m'arrêter, continuer toujours à mettre un pied devant l'autre pour soutenir une association solidaire. Je trouve que c'est important et ça donne une motivation supplémentaire pour arriver à son but en fait, en gros. D'accord. Eh ben, l'UTMB, c'est la course de trail la plus mythique du monde. Donc c'est 170 km avec 9000 mètres de dénivelé. Donc ça correspond à monter, à descendre l'Everest tout en faisant 170 km et tout ça en moins de 46 heures. C'est compliqué l'UTMB ? Alors l'UTMB, c'est assez compliqué effectivement pour des gens entre guillemets normaux comme toi, moi ou le coureur lambda du dimanche. C'est une course extrêmement difficile, hein. L'un des trails les plus durs du monde. Donc voilà, moi j'ai déjà fait 100 km deux fois, là il y en a 70 de plus, et honnêtement à chaque fois que j'ai fait 100 km en arrivant, je me suis dit mais là c'est pas possible de faire 2 km de plus. Donc je sais pas comment ça va se passer. Parce que ce que je dirais à tous les gens qui vont suivre un petit peu cette aventure, c'est toute cette aventure là, elle peut pas se faire sans vous. On a besoin de 2000 euros pour cette association, pour moi, c'est autant pour l'un que pour l'autre, ok. Donc on compte sur vous, merci beaucoup, et on... avec le patron, ouais le patron, et voilà.